Et bonjour à tous. Alors, on va faire une petite sortie session détection. Mais avant tout, je vais vous présenter un produit. Un produit qui va vous permettre de nettoyer certaines choses vraiment facilement. Vous voyez une pierre noire comme ça. Vous pouvez la faire revenir blanche comme ça. Sans frotter, sans rien. Alors, vous pouvez vous aider à frotter si vous voulez. Mais déjà, le résultat là, c'est sans frotter. Je vous montre. On va prendre cette pierre qui est ici. Voilà. Vous voyez la plante, hein, bien noire. Pas de triche. Je prends mon fameux produit qui est dans ce flacon. Voilà. Hop, je le prends. Je dévisse l'embout. Et je vais en pulvériser ici. Pour l'instant que ça fait effet, je vais vous montrer que ça fait aussi sur le bois. Alors, donc c'est pas du bois que j'aurais préparé moi-même. C'est du bois qui est déjà présent. Voilà, démarche. Allez, on choisit quelle marche. Allez, celle-ci. Une, deux, trois, la quatrième où il y a le bout d'herbe. Allez, on pulvérise. Et on laisse agir. On s'arrête à la fleur. Et on revient une fois que le produit agit. Déjà là, il commence déjà à agir. Allez, on va voir où on en est la pierre. Le détecteur est toujours là. Hop, on revient. Ça a bien agi. Regardez. La pierre avant, la pierre maintenant. Sachant qu'il y a du blanc. Voilà, un petit coup d'eau. Et ça ressort super propre. Alors, j'ai rien pour prendre de l'eau de mer sous la main. Alors, j'ai mis un peu de salive à cet endroit-là. On va attendre qu'elle sèche. Et puis, on regarde si ce blanc s'est enlevé. C'est toujours aussi propre. En attendant, je pense que le bois là-bas, c'est fini. On peut aller voir ce que ça donne. Alors, on reprend les marches. On arrive. On avait dit une, deux, trois, quatrième, et après l'herbe. L'herbe est là. Regardez la différence. Et j'ai rien frotté, hein. J'ai juste passé le produit. Le bois est revenu comme neuf. Avant, après. Et je pense que quand la pierre aura séché, ce sera pareil. Vous voulez pas me croire encore? Allez, comment faire pour vous persuader? Allez, là, il y a un bout de bois. On le fait en direct. Je défais, je pulvérise. Pas plus. On va gaspiller le produit pour... un poteau qui n'est pas le mien. Hop, et on voit tout de suite. Voilà, regardez comme il blanchit avant, après, et là il est encore mouillé. Quand il sera sec, il sera vraiment blanc comme la marche. Et j'ai rincé partie de la non rincée qui est blanche, hein. Et puis la partie rincée, voilà. Pas photo, hein. Donc si vous avez du lichen aussi, de la mousse, et ben ça va la détruire. Voilà. Et la mousse, vous savez pas comment vous en débarrasser. Vous allez voir, elle va devenir... Alors là, c'est la mousse qui est déjà orange, mais elle va désintégrer.
Voilà, on la laisse boire. On voit tout de suite, elle devient rouge. Hop. Et normalement, elle devrait prête à gratter légèrement, sans forcer, elle devrait s'enlever. Allez, on retourne vite fait voir le fameux poteau une dernière fois. Hein, il a dû agir. Donc toujours la marche. Et le poteau qui a séché, voilà. Je mets la lumière. Après, avant. Après, avant. Il n'y a pas photo. Hein. Allez, qu'on peut voir. C'est cette zone-là. Je crois, vous voyez, une plume. Donc je frotte pas. Hein. Et regardez le lichen. Il se décolle tout seul de la roche. Voilà. Vous voyez comment on rattrape un mur envahi par la mousse. Allez, j'espère que ce produit vous a convaincu. Et je vous dis à plus. Ah, je n'ai pas dit le nom du produit. Ah, c'est un peu comme la personne qui a fait une vidéo, même plusieurs vidéos sur ce produit, qui n'a jamais voulu dire ce que c'était jusqu'à il y a quelques jours, où il a enfin dévoilé ce que c'est. Voilà. Pour l'instant, vous ne le saurez pas.